Yo, tout le monde, c'est Vincent pour une nouvelle vidéo, donc présentation de stuff. Étant donné que je trouve pas de colis, je vais vous proposer mes nouveaux stuff en fait que j'utilise. Ah bah putain, bon bah ça va être un colis en fait. Ça va être un colis. Et après le colis, peut-être présentation de stuff si le colis n'est pas long. On va voir ça. Je comptais me désinscrire, mais en fait je me suis inscrit, donc on va voir. Je viens de perdre contre Mister Tank, un sacrilleur en face. Le problème c'est que j'ai pas cuté la vidéo et du coup ça me ferait faire un gros boulot de montage. Donc là c'est un deuxième sacré, j'en peux plus des sacrés, y'a que des sacrés. Tous les jours de ma vie, il y a des sacrés sur Dofus. Tous les jours. Du coup, on va tester un nouvel ensemble, tiens. Jamais testé ce mode, on verra s'il est bien ou pas. Celui-ci, tiens, on va mettre. Équipé. On l'équipe, donc je ne sais pas s'il est bien. Autant s'il faut le mode, il est grave naze. Hein. Mais qui teste pas, ne sait pas. Voilà, j'aime bien ce proverbe. On met quoi? On a mis la puissance végétale. Ok, vaudou. On met pas le debuff, j'ai pas envie de jouer avec le debuff contre les sacrés. C'est parti, donc normalement on a l'initiative j'espère. Si on n'a pas l'initiative ça va être compliqué. Si l'éther ça va être hyper compliqué étant donné qu'avec ce mode je crois qu'on n'a pas de rester. Ouais je crois qu'on n'a pas de rester avec ce mode. On verra. On verra. Donc il met longtemps, c'est peut-être... J'ai perdu contre un sacré, c'est un deuxième sacré. Donc c'est un sacré R, ok comme d'hab. Il n'y a pas beaucoup d'esquive PM, on va dire c'est ma chance. Je vais avancer directement, en fait, je pense. Ouais, je sais pas si je tape plus avec ça. Avec ça. Non, j'allais taper avec ça pour changer. J'ai envie de tester mon retrait PM avec la mode terre. Donc je me suis avancé de manière débile, j'aurais peut-être pas dû. Mais en fait, il faut que vous compreniez une chose, quand c'est une classe, yo, que je n'aime pas jouer, je tilt rapidement. En fait, et les sacrés, c'est une des anti-classes du Sadida. Étant donné qu'ils ont beaucoup de rocks et de régène en zone, et du coup ça clean nos invokes. Et ça devient vite compliqué, donc là il va pouvoir cache m'attirer. J'ai fait grave de la merde, j'aurais pas dû m'exposer autant. Après, je fais ça juste à caler une libé, donc ça passe, tu vois, mais. Je vais caler la libé direct. On va faire ça. On va libé. J'aurais dû faire la vaudou. Au corps à corps. C'est pas bien joué de ma part, mais bon. Non, par contre, c'est sérieux. C'est sérieux qu'Apaisante, elle retire que ça, les gars. C'est pas normal. Bon, moi, je m'arrache. J'ai envie de faire le poison para. Et pas faire d'arbre ce tour-ci, c'est risqué. Non, on va faire un arbre tous les tours. On est obligé. On peut pas prendre de risque de pas faire d'arbre tous les tours. On peut pas. Donc il est pas infecté, c'est dommage, mais on peut pas prendre le risque. Donc là on essaye de le full kick PM, on a beaucoup plus de retrait que lui, il a d'esquive. Hein. Donc ça, c'est pas hors de... Putain, il va pouvoir me choper quand même. Pénitence. Donc pour la petite astuce, quand il est pénitent, j'ai juste à flammer chaque AWOT. Juste à flammer chaque AWOT. Du coup, j'ai mis des bennes sur la kawotte. Putain, mais je suis grave nul. Faut que je m'arrache, là. Je fais n'importe quoi, les gars. Je fais n'importe quoi. Je tilt, en fait. Je fais n'importe quoi. Donc là, je crois qu'il a 0 PM, à moins que ça soit buggé. Moins 2, moins 2. Moins 2, donc ouais, il a 0 PM. Bon, ça c'est bien. Le fait que c'est 0 PM, c'est déjà pas mal, on va dire. Le 2 coco va tomber ce tour-ci. Là, il peut pas m'avoir. Il manque un PM. Si avec l'épée volante, il peut. Projection, je sais pas s'il a. T'imagines la mobilité, le mec il a 0 PM. Il peut quand même me choper. C'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop en fait. Arbre. L'arme. On va se trembler. On a pas le choix d'essayer de se barrer en fait. C'est chaud. Hein. Là, tu sais déjà que le mec il va pouvoir te choper. Ça fait péter un câble.
Vas-y, je vais. Puissance végétale. Essaye de me régénérer un coup. Et je vais avancer là pour éviter la transpo trop free. J'aimerais bien qu'elle surpuissante et kick beaucoup de PM. C'est ma planche de salut là, la surpuissante. Épée volante qui l'empêche de kicker des PA. Moins, putain, mais il perd. Non, il perd pas. Il perd pas. Petite projection des familles. C'est absurde cette classe. Alors que je passe ma vie à rager, vous allez dire, mais c'est débile. C'est débile. Il y a trop de mobilité de malade en fait, et un rox de babouin quoi. Pas de réseau? Là, on va faire une gonflable, on n'a pas le Regarde mes choix. YouTube On va musicaliens, gonflable harmonie, on va essayer musique en de tenir un continu, peu, gratuit pendant 3 histoire de jours, limiter la sans casse, interruption, vous allez sans voir. parement ensuite, annulé à tout moment, des restrictions Là, s'appliquent. la fulgurance, il va me faire un. Trop fort. Il tape beaucoup trop fort pour moi. Donc, il pacte 200, ça réduit les dommages occasionnés. Heureusement que ça m'est plus un insoignable, comme à l'époque. Du coup, gonflable, harmonie, altruisme végétal. Donc, on essaye de tenir tant bien que mal. On sait déjà que ça va pas être possible. Je répète, on n'est pas pessimiste, mais réaliste. Donc, le pack de sang, il réduit le son aussi. Ah, bah ouais, très bien. Très très bien. On va tenter un truc, on va faire un truc comme ça. On a pas le choix des. Si on est mort, donc je suis obligé de faire ça. Si on était mort. Dans tous les cas, on est mort quand même. Il va faire l'attirance ici. Il va prendre la zone. Très bien. Après, il joue bien, tu vois. Il joue grave bien, mais je peux rien faire. Un genre retrait PM, si le retrait passe pas, je peux rien faire. Là, j'ai doublé Ben sur la tronche. Je pense que je meurs, hein. Apparemment, il n'y en a qu'un. Dieu merci. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ouais, on va faire ça, vous allez voir. Gonflable. Altruisme végétal. En fait, putain, je vais faire autre chose, mais. En fait, je fais ça pour essayer de m'attirer au tour d'après. Je tue cet arbre, j'aime tremblement pour essayer de me barrer si je suis encore en vie en fait. La folle pour lui kicker des PA pour pas que ça soit trop free pour lui à me choper. On essaie de se régénérer tant bien que mal, mais bon. Je crois que c'est peine perdue là. Là, il va tuer ma gonflable. Je me tremblement, je sais pas si je bouge si je tue pas l'arbre. Non, je crois que je bouge pas si je tue pas l'arbre. Il faut vraiment que je tue l'arbre. On va essayer un truc, les gars. Hein. On va essayer de pas faire une vaudou en fait. On va essayer de jouer sans la vaudou. Ce tour-ci, du moins. Genre un truc un peu chimique comme ça. Non, mais c'est sérieux? Non, là, je suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Rébellion, les gars, c'est pas normal. Moi, je me tremble moins, c'est logique. J'essaye de me tailler ici et on va. Ah ouais, mais je peux rien faire, je peux rien faire. Là, il va transpo, il a tous les PM, il a 88 d'esquive, il se prend que moins 1 à la pesante. C'est un scandale, c'est un scandale. Alors qu'à des sacris, il m'enlève beaucoup plus, tu vois. Il va me faire une épée volante. Non, il va se tacler ici, mais je peux rien y faire. Là, c'est mort pour moi. Trop de chance, il a eu. Tu vois, enfin. C'est ça qui est chiant quand tu joues au retrait PM, c'est que si le retrait PM passe pas, tu peux rien y faire.
Trop chanceux. Là j'ai le kick DPM, ça sert plus à rien maintenant, c'est trop tard, le mal est déjà fait. Bon ouais, on va faire ça pour l'honneur, mais t'as compris, c'est ça, hein. Il finit full vie quoi, donc c'est chaud. On va refaire un colis après. On va lui dire GG. On va pas faire le rageux. T'as de la chance quand même. Il y a beaucoup de chance sur le red PM. Après je joue pas bien ce mode, j'ai pas l'habitude de le jouer, mais il y a que 88 d'esquive, rend ça plaisante à moins 1, j'ai 108 de retrait, bon. Au moins à moins 3 quoi, tu vois. Alors qu'il y a des gens, ils ont 170 d'esquive et tu leur en enlèves moins 4, bon, c'est pas grave. Voilà, donc Sacri, vous inquiétez pas, j'ai viens de faire deux combats contre deux Sacri, ben les deux combats je les ai perdus. Hein. Donc je vais présenter le stuff en attendant de trouver un colis. Du coup là c'est un mode de crit en fait que j'ai, je vais vous montrer ça. Celui-ci. Donc c'est un mode de crit, vous allez voir les dégâts. Hop. Donc sans la maîtrise juste avec la vaudou, ça passe à du 1002. 1003 même. Là je rappelle qu'il n'y a pas la maîtrise. Hein. Les flots ils passent à 800, donc c'est quand même pas mal. Et quand je mets la maîtrise, vous allez voir. Hop, ça peut passer jusqu'à 1005, on va dire en gros. Voilà, je suis à taux de crit de 81% avec dur trait PA. C'est un mode contre les classes que vous savez qu'ils vont jouer en épée kick PA et. Et du coup, vous allez devoir tanker un petit peu par le kick PA en fait. T'as moins de reste, mais tu kicks plus de PA. Donc du coup, tu tankes en fait dans une certaine façon, vous allez voir. Je mets une épée derrière moi, genre. Je me maîtrise, tour en classique. Merde, j'ai éclaté. Bon, bref, c'est un mode, voilà. Je vais vous montrer. Donc du coup, on a un coiffe. Cap Talkasha. Sandale du Talkasha avec double item strigide. Ali Glour. Anneau Volcorn. Bon, les dagues agaçantes. Le cadran d'eau. Et un petit co-culte avec bon les deux fuses que vous voyez là. Plutôt pas dégueu. Ensuite également le mode que je viens de jouer là contre le sacrière. Bon il est pas ouf en fait. Je vais vous montrer, j'ai pas menti sur les retraits PM. Je suis à 108, il y a 88, il esquive et tout. C'est celui-ci. L'idéal serait que je joue avec un bâton. Mais j'ai mis ce que j'avais en attendant, tu vois. Du coup là c'est un mode bon qui rock moyennement on va dire. Mais qui est vraiment kick PM, donc c'est une full roi joueur. Vous voyez, j'ai des raises bof en terre et en net, sinon le reste ça va. Vous voyez, c'est des dégâts en fait que tu joues sur le kick PM. Par exemple, tu vois, il y a un poison aussi qui est pas mal. 481 dégâts et tout. Donc du coup, c'est une full roi joueur. On a 108 retrait PM. On peut monter mieux si on avait des meilleurs jets. Donc coiffe, bot, anneau roi joueur. Trip item volcan pour le bonus PM. Ensuite on a Volcorn qui kick des PM, on a le Stalag, on pourrait même le jouer en cubiste si on voulait encore plus de retrait PM. Avec ces Dofus là quoi. Donc c'est pas mal, franchement c'est un mode qui est pas dégueu. Même le Rox corps à corps hein, n'est pas mauvais. On va voir ça ensemble. Pardon. Ouais on a quand même 68 de fuite. Je vous montrerai le dégât au corps à corps. J'espère qu'on va tomber contre un colis qu'on gérera un peu parce que bon, c'est. Et sacré, je les supporte pas. On peut taper du 1005 au cac si on crit, on a un taux de CC de 74%. Sachant qu'on est, on joue pas avec un tutu. Si on mettrait un tutu, on serait à 84%. On peut même être à 100% crit. Est-ce que ça serait viable? Je veux juste tester un truc, les potes. Si je mets un cocule, genre. Et que je mets. Un Dofus turquoise à la place de, je sais pas, de l'entraveur. C'est une question, j'avais pas pensé, mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On a 99% de taux de crit. Est-ce que ça rex? Et sur la force de la nature et tout? On peut pas crit sur force de la nature, ok, très bien. Ouais, c'est pas ouf quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Je sais pas, ça vaut pas le coup en vrai. Ça vaut pas le coup. Mais bon, c'est à savoir. Et après, j'ai mon mode anti-roube. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Enfin, beaucoup pour moi, c'est pas 200 personnes. Hein. C'est 3-4 personnes. Ça suffit pour que ça soit beaucoup. Donc, c'est un mode où on a des raids assez dégueu. 0, 8, 10 et 13. Et après, on a 41% feu. Mais à savoir ce qu'on a une jalache. Dans ma logique à moi, si les roublards jouent R ou O ou un autre élément. On est sûr d'avoir l'initiative sur eux, donc je vous montrerai pas les nids de ce stuff exprès pour pas que les roublards aient plus que moi. J'ai aucun intérêt non plus à me tailler.
Mais vous pouvez le faire sur Dofus Book et vous aurez, voilà, je vous montrerai même pas le jet des items, comme ça vous saurez pas exactement. On peut voir que les dégâts sont quand même ouf. Donc on a un Dax Rambad, Amu, Anno, Volcorn, on a une cape du Jahash, on a une full Lévitrof avec un Cougnard et un Stalak. Sachant que j'ai mis des over exprès pour avoir beaucoup 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 d'initiatives pour être sûr à 1000% de commencer avant le roublard. Ce qui permet justement d'avoir un rush qui est assez conséquent. En 12 PA, 6 PM, et du coup, le roublard en fait, on peut quand même jouer avec les fléaux quand on infecte des bons. Je vais vous montrer ça. Genre là, par exemple, tu mets des arbres aussi, c'est important. Mais gros, regardez le fléau. Le fléau Rox. Ça suffit hein, pour tuer des bombes. Hein. Voilà, le fléau il Rox beaucoup. Les ronces, ça Rox pas mal aussi. La mangrove Rox aussi. Donc, je vais vous la montrer tour d'après. Ce qui permet en fait d'être vraiment polyvalent et de. Même la voix feu, elle Rox, regardez. Ça permet vraiment de tout clean facilement en fait. Parce que tu peux jouer en mode feu et t'es tranquille. Tu peux jouer en mode eau, t'as de la régène. Sur le stuff, j'ai minimum 4 invocations, je crois. Là, je vais vous montrer après les arbres, les dégâts avec la force de la nature. Je vais mettre un coup dans le vide là, vite fait, pour pas vous fausser avec les Ben 5 parce que t'es quasiment jamais à des Ben 5. Hop, vous allez voir. Donc là, il n'y a qu'un arbre. Là, on va mettre un troisième. Un cinquième, pardon. Regardez les dégâts. C'est assez sympathique, je trouve. Voilà. C'est plutôt bien, quoi. C'est un mode, en fait. Et quand t'as ça en jeu, tu sais très bien que tu vas clean les invoques, en fait. Les invoques, tu les cleaneras pour seulement 5 PA. Donc, tu t'en fous. Ouais, et sur le long terme, mais tu peux taper vraiment de loin. Tu peux mettre un. Regardez le poison para, les dégâts du poison para. Vous allez voir. Du 406, donc tu peux t'en servir pour clean les bombes et c'est ce qui prendra pendant 3 tours. Sachant qu'ils ont souvent pas de reste-feu les roublards avec leur mode. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est un mode que je vous conseille si vous êtes en Sadida. Depuis que je l'ai, je n'ai jamais perdu. Donc on va retourner faire un colis, j'espère, dans quelques secondes. Sinon, s'il n'y a pas de combat, ben voilà. Tu vois, il suffit de râler pour avoir un colis. Donc on va le finir avec la force de la nature. Et on va s'inscrire un colis, c'est parti. Donc je sais pas contre qui on est, je sais pas contre qui on est, on va voir. En tous les cas, est-ce que ça sera 2 défaites ou 2 victoires? On est contre un Ozamoda, on va le saluer, salut à toi. Donc contre les Oza, il y a deux possibilités. Soit on les joue avec le mode full Lévitrof que je vous ai montré. Je crois qu'on va mettre un mode comme ça, contre les Roublards. On va y aller en mode Rox. Ademoza. On va jouer sans deux cocos, je pense qu'on va rajouter un pourpre. Histoire de bien taper très fort. Et là on aura l'initiative, c'est sûr. Dédicace à Ati, je vais dire Jurek. Du coup, quel mode on a? Attends, est-ce qu'on a l'influence végétale? On est ok. On a la debuff, ok. C'est parti. Donc je règle, on va voir si je gagne ou si je perds. C'est un Oza quoi? C'est un Oza R, ça va être compliqué. Forcément, c'est un Oza bah, R, hein, logique. Du coup. On va pas se faire chier. Ah, la victoire est alarmante, oui mon pote. Tu joues Oza frérot. Donc voilà pourquoi j'ai pas les Oza. Ils font trop les malins alors qu'ils jouent une casse de merde. En fait il y a 3 casses qui me saoulent. Il y a les super match quand c'est bien joué ils sont trop forts. Mais il faut un minimum réfléchir. T'as les Oza mais eux c'est voilà ça saoule toutes les classes. Et après t'as les sacrieurs qui pour moi est mon anti-classe. En fait j'ai 3 anti-classes. Et là mon stuff n'est clairement pas adapté contre les Oza R. Donc ça va être très compliqué si je veux essayer de gagner. Vous allez voir les dégâts qu'il y a à mettre de si loin. Je rappelle que j'avais un ébène, hein, un ivoire. Donc là, bon, il truc son tofu. Voilà, on peut voir que ça tape en zone. C'est legit. Donc on va tout simplement le debuff. On va infecter. Donc il est dans son délire, hein. Il est vraiment dans son délire, le petit gars. Après, il a 69 esquive PM. C'est pas dégueu. On va essayer tant bien que mal d'essayer de faire quelque chose. Il est encore infecté pendant un tour. Là, on l'a tapé. Donc, en Vulbis, il va pas proquer. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Normalement, il n'a pas la ligne de vue pour me mettre les bennes sur la tronche. Et ça, c'est cool aussi. Il va clean mon arme. Il tape hyper fort. Il tape très très fort, ce mec. En fait, un Oza qui sait jouer ne peut pas perdre contre un Sadi. Enfin, un Oza R, du moins. Donc là, il a fait un gros boutou. Regardez, son tofu va m'éclater, frère. Le tofu va m'éclater.
Donc il fait ça, il va rappel. C'est fort, hein. C'est trop fort. On va aller là. Putain, j'hésite. Si je fais ça, je mets les bennes sur lui en fait. Tant pis, les bennes sera sur le tofu, les gars, j'ai pas le choix. Donc, l'arbre. Enfin, on va vérifier combien de vita. Ouais, donc 204, donc il va mourir à son tour de jeu. Je vais mettre un arbre ici, ça fait une zone, c'est dommage. Donc là, en fait, on essaye, on se dit, waouh, ouais, les gars, mais fin de ça, putain, t'es, en fait, t'es pas en train de mourir. Si, si, je suis en train de me faire éclater. Là, j'ai plus d'infecté. J'ai plus d'infecté, j'ai pas d'invoque. Donc il se fait un déplumage, enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas si facile de PVP en sadie, contrairement à ce que l'on croit. Allez, les dégâts. Hein. Il va, il retourne là-bas. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on infecte. On va faire ça. Hein. On va infecter comme ça. Il va me rester 5 PA, 4 PA. Donc assez pour faire une folle pour le forcer à la tuer. Mais il va la tuer direct, vous inquiétez pas pour lui. On va se mettre un truc là-bas pour essayer de donner un peu de... de champ à... En fait, on essaie... en fait je crois que le Dokoko j'aurais dû le garder. Le Dokoko il m'aurait peut-être bien aidé sur ce style de match. On aurait récupéré 400 habitants, on serait à 3007, c'est pas dégueu. Vous voyez la folle, il... c'est absurde, c'est absurde les dégâts. Franchement c'est absurde, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas normal de taper autant. Je sais pas. Sur 15% pour 3 PA. En ayant des invoques, il tape du 10 000. Ouais. Ouais. Donc là, il va clean mes deux arbres, hein, tranquillement. Donc là, il y a deux possibilités. J'avance encore. Je vais avancer, j'ai pas le choix. On va triant ici. Mais ouais, gros, t'es un osa. Te vante pas, t'es un osa, putain. Le gars, il est un osa, il se vante, c'est chaud. Donc on peut voir les esquipem, ils font le café, il a 65%. Et là, il les invoque. En fait, ce qui est bien quand t'es un sadiste, c'est qu'ils invoquent, elles se passent hyper bien à chaque fois. Elles font pas du tout des zones pour pas du tout mourir en même temps que toi, et c'est ça qui est cool. Et ce qui est ouf aussi, c'est que tu viens d'infecter un mec qui est pas du tout immunisé. Donc c'est trop bien. Franchement, c'est un plaisir. En fait, je suis submergé d'invoques et c'est pas ma faute, j'essaie de les tuer, je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Ok, voilà. Il va se cacher, c'est bien, c'est cool. On adore. On va faire un double fléau, très bien. Donc là, on peut voir qu'on termine même pas, cet enculé. Et c'est problématique de pas le terminer, donc on est obligé de le finir quelque part. Et de s'arracher, mais là, il va nous remettre un ébène dans la tronche. Si je vais là, il me met un ébène dans la tronche, c'est sûr. Donc je suis obligé d'aller là, en quelque sorte. Il est encore infecté pendant un tour, lui aussi pendant un tour. Tu vois, le tofu, je viens de le tuer. Je sais pas si est-ce que... Je viens de le kill, hein. Vraiment. Genre, il était mort. Mais non, il est de retour pour me jouer un mauvais tour, ce bâtard. Du coup, on va essayer de l'infecter. Si on n'est pas mort, je pense qu'on est mort. C'est absurde, voilà, c'était les Osa sur Dofus 2.0. Ah, j'ai 50% de raise, hein. Regardez les dégâts. C'est, ouais.
Bref, c'était flan de ça, s'il y avait d'autres t'as plus le H1GM, voilà, je montre aussi mes défaites. On était à 4790 de cote, on est à 4758, donc on peut voir que Lausanne a quand même viré 32 cotes. On adore. Bref, c'était flan de ça, ciao!